Et salut tout le monde, c'est Owen, on est de retour sur Monster Hunter World pour une nouvelle vidéo et on va chasser un des nouveaux monstres, le David Joe. Donc c'est parti, on va aller au panneau des quêtes et je crois que c'est une mission spéciale. Nouvelle quête, le tyran de la chaîne alimentaire. L'effrayant David Joe n'a qu'une seule idée en tête, écraser toute la chaîne alimentaire entre ses mâchoires. Malheur à nous, car il est arrivé dans le nouveau monde. Allez, c'est parti. Accepter, oui. Niveau équipement, je crois que je suis... Ouais, je suis parfait. Exterminateur, collier, cap paratonnerre. On va changer ça. On va prendre la cape du gladiateur. Ok, on est prêt. Oh ho! Alors, la cantine. Toujours manger avant un combat. Ah, apparemment on peut pas. Bizarre ça. Pister l'assistante. Ah ouais, ok. Ok, elle sait pas qu'il y a un David Joe qui rôde aux alentours. Mon objectif, c'est de recenser et de manger toutes les nourritures du nouveau monde. Ah ok. Alors elle s'en fout des monstres. Tout ce qui lui intéresse, c'est la bouffe. Grand-père, papa, si seulement vous étiez là. Ok, normalement on l'a trouvé, non? Oh, wow! Ça, c'est un sacré champignon! Partir à la chasse aux ingrédients, ça me détend. Bon bah c'est cool. On va faire un peu de collecte aussi. Comme je dis toujours, en cas de doute, il faut que tu goûtes. Carcasse pourrie. Ok, le David Joe n'est pas loin. Ah!
Ok, lui il rigole pas lui. Bon, on va se prendre une potion ancestrale pour commencer. Ça va, il fait plutôt mal. J'en profite. Ah, il est sympa lui. Il se prend tous les pièges. À chaque fois je rate le dernier coup. Ah ouais, quand il est rouge il s'énerve. Enfin. Là. Putain, il saute super loin lui. J'ai encore manqué le dernier coup. Ah, pour l'instant c'est qui m'aplatit là. Ok. Enfin utiliser la fusée des fesses. Ok. Bon, je pense pas qu'il est super difficile, mais au cas où. Ok, d'accord. Allez, vas-y, lève-toi. Ah,
énervé, hein. On va prendre tous les écofacts, vu que c'est un nouveau monstre. Ah parfait ça. Ah, le fail. Et une de ses queues n'empêche le truc. Totalement raté. Oula. Ah, il m'a carrément chopé dans les airs. Plutôt coriace, hein. On est parti manger ou quoi? Ah ouais. Alors je sais pas c'est quoi le malus que j'ai chopé. Ah ouais, on attaque à baisser un truc de ouf. Tester l'antidote. Non. La des soins. Non. Alors je sais pas comment je peux me soigner de la fiction. Yeah.
ça pour le toucher lui. Pas longtemps à rater, hein. Ah ouais, il s'attaque au Jagras carrément. Ah, il nous attaque carrément avec le Jagras. Ah, il est en train de prendre cher le Jagras. Ok, on va exiger notre épée. Bon, cette fois-ci, je l'ai pas raté. Bon, en tout cas, il rigole pas, hein. Ouais, c'est parfait, il prend cher. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens ici. C'est
Parfait, allez, viens, 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 viens. Voilà, c'est parfait. Nickel. Bon bah il était plutôt coriace, hein. J'imagine pas quand il est quand il sera en légendaire. J'ai reçu pas mal de trucs en plus. Joyau de feu. Ok, on va faire un petit tour. Ah, j'ai un point d'exclamation. Nos excuses pour t'avoir fait attendre. Tu as fait un travail remarquable. Allons autre part, pas ici. Hé, hey, partenaire. Beau boulot. Merci de m'avoir sorti de ce mauvais pas. Pardon. Impressionnant, chasseur. Même l'amiral n'aurait pas fait mieux. Nom d'un barot, mais que faisais-tu là-bas, chère assistante? Bon, je n'en parle pas souvent, alors ça va sans doute être un choc pour vous, mais... J'adore manger. Je veux dire, je suis une aficionado de la cuisine. Je suis même en train d'écrire un guide pour toutes les nourritures du Nouveau Monde. Comme je m'ennuyais au camp, j'ai décidé de partir à la recherche d'ingrédients. Désolé, je me suis laissé emporter. Il y a trop de choses délicieuses dans le Nouveau Monde. Oui, oui, incorrigible comme toujours. Une vraie fille d'action, peu importe le danger. Bravo. Il vaut mieux risquer sa vie pour réaliser ses rêves que de rester à rien faire. Nous avons tout pris cette décision en venant dans le Nouveau Monde. Il n'y a aucun regret à avoir. Très bien. Pour en revenir à notre affaire, chasseur, nous avons quelque chose pour toi. C'est un nouvel outil de survie que nous avons complété en partie grâce à tes informations. Nous savons que tu utiliseras à bon escient. Bien, nous devons rentrer et continuer nos recherches. Chère assistante, il nous tarde de lire ton guide. Soyez prudents et que l'étoile de Saphir soit avec vous. Peau de dragon. Ça a l'air d'être pas mal en plus. On va voir ça. Équipement. Peau de dragon réduit les dégâts draconiques, annule les fléaux dragons et améliore l'élément dragon de l'arme. Ah, ça a l'air d'être cool. On va le prendre. Il nous reste la visite chez le forgeron. Ok. Alors, forger, armure. On va d'abord regarder l'armure du David Joe. Alors, prévisualiser. Elle est plutôt pas mal.
Alors ça c'est l'alpha. Destructeur et savoir-faire. C'est quoi destructeur? Permet de briser ou de trancher plus facilement certaines parties des grands monstres. Augmente les dégâts contre les parties destructibles de 10%. Il y a 3 niveaux. Savoir-faire, tranchant plus 10. Carnassier c'est quoi? Augmente la vitesse de consommation de viande et d'objets. Ok. Ok, le David Joe Beta. Et pas mal aussi. J'aime bien. Et on est en rareté 7. Ok, on va aller voir les armes. C'est plutôt dans améliorer. Alors le David Joe. Saccageur catastrophe. Donc rareté 7, il n'y a pas de rareté 8. Dragon 210, affinité moins 25% et attaque 759, saut des anciens élevé. Et transcendance, on peut mettre 2 transcendances. Pas mal. On va aller voir un peu, par exemple, le dévoreur des ténèbres. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? On va voir le grand espadon. Angoisse. Ah, est pas mal celle-là. Elle dépasse les 1000 de dégâts, hein, 1104 de dégâts. Mais bon, après l'affinité elle est à moins 30%. Alors, épée de chasseur, on va aller voir. Pas mal aussi. Les dagues. Prédateur de la vengeance. Ah, les dagues elles sont vraiment stylées. On a le marteau. Le marteau, je pense, ça doit être cool. Fracas du chaos. Ah, il dépasse les 1000 de dégâts aussi. 1196. Oh! C'est quoi ça, minerai? J'avais jamais vu ça. Ah, le marteau Valazak aussi, déchire. On dirait une grosse hache. Alors, la cornemuse. La cornemuse. Ouverture de la désolation. Basel Red. Ça, c'est Basel Gueuse. Alors, ici, on a Théostra. Xeno Manachena. Et Concerto du désespoir. Ouais. La lance de fer. Le sentier de la perdition, ça c'est une ère gigante. Ok. Sérénité d'azur. Putain, elle est belle aussi. Hein. Chagrin d'amour. Basel. Ça c'est la Basel Gueuse. Basel Miliade. Ouais. Le Kirin. Daura, Xenodota, Vieille Lance de Babel, Tour Diabolique. On a quoi d'autre? On a le lance-canon de fer. Bon, ça j'avais déjà vu. Lance-canon insatiable. Ouais. Hache primaire, ça doit être pas mal ça.
Volte aux haches de l'oppresseur. Ah, j'avoue, on dirait une tronçonneuse avec un bouclier. Le glaive. Tonnerre absolu. Ah, elle est pas mal aussi. J'aime bien jusque là. On va regarder l'arc en fer. Arc de guerre d'Aloy. Ah oui, ça c'est le... Étreinte infâme. Pas mal. Pas mal sans plus. Arbalète de fer, on l'a déjà vu. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Il manque une arme que j'ai pas vue, c'est la morphouache. Non. Non, elle est ici. Alors la morphouache. Ah, pas mal. Terreur Tyrannos. Ok, bah on a tout vu. On va s'arrêter là. On va aller au coffre pour se préparer pour la prochaine vidéo. Comme ça, on pourra partir directement. Voilà, on est prêt. Alors, prochaine vidéo, ce sera sûrement le Lunastra. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis ciao tout le monde.